Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment tu peux gagner de l'argent sur YouTube, les différents moyens qui existent pour que tu puisses gagner de l'argent sur YouTube. Et tu vas voir qu'il y a pas mal de moyens pour réussir à faire des sous tous les jours. Il y a des moyens qui sont plus durs que d'autres, des moyens qui vont être plus rentables que d'autres, et on va voir ça tout de suite. Donc la première chose que la plupart des gens connaissent et que tu connais sûrement, c'est de gagner des sous avec les 1€ les 1000 vues, comme on dit, ou ce qui est un peu moins aujourd'hui. C'est toute la rémunération que YouTube va te donner via AdSense, via les publicités que tu vas diffuser sur tes pubs. Donc c'est-à-dire que tu vas publier tes vidéos jour après jour et tu vas pouvoir mettre des publicités, tu sais que tu peux gagner au bout de 5 secondes des publicités que tu vas pouvoir mettre à la fin. Et ça, YouTube va te rémunérer pour ça à hauteur de à peu près 1€, 80 centimes les 1000 vues, enfin peu importe, mais un petit montant comme ça. À ce moment-là, tu peux espérer de ta chaîne YouTube quand tu as 300 000, 500 000, 1 million d'abonnés, peut-être un peu moins, ça dépend du nombre de vues que tu fais finalement, mais il faut quand même une assez grosse audience pour pouvoir en vivre et dégager au moins 1000€ par mois. Donc c'est une bonne solution si tu as vraiment un contenu buzz, si tu es fait pour créer une grosse audience et faire parler de toi vraiment, si tu as vraiment envie de faire une chaîne qui va être divertissante et qui va être assez large. Même si tu as un thème dans le sport ou n'importe quoi, il faut que tu aies un côté divertissant. Si tu es trop puriste dans le sport, si tu es très carré en parlant des muscles, décortiquer les muscles, etc. Ça va être très bien pour une petite audience, mais tu pourras pas vivre en gagnant de l'argent comme YouTube va te rémunérer parce que tu vas pas attirer une assez grande audience en fait. Donc ça, c'est la première manière que tout le monde connaît et beaucoup de gens pensent qu'on peut gagner uniquement de l'argent sur YouTube via cette opportunité, mais sûrement pas. Et beaucoup de gens gagnent de l'argent, dont moi, à travers YouTube d'une autre manière. J'en parlerai à la fin. Une autre manière que tu peux faire avec YouTube, c'est utiliser plusieurs sources de revenus. Tu vas avoir celle dont je viens de parler qui va te rapporter de l'argent via AdSense, via YouTube qui va te rémunérer avec les publicités. Tu vas en avoir aussi une autre que tu vas pouvoir lier à ça, qui sont Tipeee ou d'autres choses qui te permettent de demander à ton audience des dons pour investir dans du matériel vidéo, pour investir dans plein de choses qui vont te servir à améliorer la qualité. En tout cas, c'est le message sur le papier que tu vas donner la plupart du temps. Et ça peut te permettre aussi d'avoir un peu plus d'argent et de monter un peu. Si ton audience adore ce que tu fais, bah, tu verras qu'ils te le rendront. Et c'est là où je vais en venir à l'autre méthode qui est celle que tu dois utiliser, qui est la méthode où il faut que tu crées des offres de services, il faut que tu crées des produits, il faut que tu crées quelque chose. Parce que comme je viens de te le dire, les gens, pourquoi ils te donnent des Tipeee, pourquoi ils te donnent des dons comme ça? Parce qu'ils apprécient ce que tu leur donnes comme valeur, les vidéos que tu fais tous les jours. Du coup, ils te disent, bon bah tiens, tu mérites bien d'avoir au moins 5€ de ma part, ou tu mérites bien d'avoir 10€. Mais ce serait tellement plus intelligent de leur donner quelque chose en retour, un produit que tu aurais créé. Tu te ferais ta marge, tu gagnerais des sous et tu leur donnerais quelque chose qui va les aider. Ils seront doublement plus contents, ils te rendront encore plus tard. Et c'est comme ça que tu peux gagner encore plus d'argent. C'est ça le principe de YouTube quand tu vends des offres de services ou des produits physiques ou les deux, mais que tu vends quelque chose à toi. C'est beaucoup plus intelligent de vendre quelque chose à toi que de mendier avec des dons. Ça, c'est, pour moi, c'est une grosse connerie. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui ont 500 000, qui ont 1 million d'abonnés et plus et qui demandent encore des dons. Mais ça, je trouve que ça décrédibilise l'image. Tu fais du bon contenu, tu fais quelque chose de bien et t'es pas capable de créer un produit aujourd'hui en 2019-2020. Il n'y a rien de plus simple que de créer un produit, il n'y a rien de plus simple que de créer une marque de vêtements. S'il n'y a rien de compliqué là-dedans et ça demande un peu de se bouger, mais si tu es capable de te bouger pour créer des bonnes vidéos YouTube, tu es capable de faire ça. Donc ça, c'est une info à bien comprendre et à bien mettre en place. La plupart de mon audience, vous le savez, créer des produits, créer des infoproduits, c'est des choses qui se font facilement, vous pouvez le faire, mais créer une audience, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude. Il y a peut-être des youtubeurs qui regardent, il y a peut-être d'autres personnes qui ont l'habitude de créer des audiences, mais qui n'ont pas l'habitude de vendre des produits. C'est à vous que je m'adresse. Il faut que vous formiez sur le sujet, il faut que vous regardiez des vidéos sur comment créer votre produit, créer votre marque de vêtements. Pensez à résoudre le problème de votre audience. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que vous gagnerez beaucoup plus d'argent sur YouTube et ça vous motivera encore plus à faire des vidéos. Un autre moyen qui est un peu lié avec la dernière méthode, ça va être de vendre les produits des autres, ce qu'on appelle de l'affiliation. Et vous allez pouvoir aussi le faire avec de la marque blanche par exemple, c'est-à-dire il y a des logiciels qui se développent, il y a des produits qui se développent, des vêtements qui se développent, et vous allez pouvoir juste mettre votre marque dessus alors que c'est pas vous qui avez fait le produit. Mais la personne va accepter de vendre une licence, va vous vendre peut-être, je sais pas, vous vendez un pot de maquillage, s'il y a une youtubeuse make-up, elle va vendre une crème, et bien il y a une entreprise qui va bien vouloir lui vendre la licence, lui dire tiens, tu me payes 200€, très bien, maintenant tu as le droit de mettre ton logo sur les pots de crème. Et maintenant tu peux dire que c'est les tiens, alors que c'est pas les tiens. Le seul problème de ça, c'est que s'il y a des soucis au niveau de la marque, si la marque décide d'arrêter le pot, bah vous devrez arrêter le pot. S'il y a des changements de prix ou je ne sais quoi, vous devrez vous adapter. C'est pas vous, c'est pas votre produit. Mais par contre, vous vendez un produit dès demain qui n'est pas le vôtre, vous n'avez pas développé, vous n'avez pas toutes les recherches à faire avant, etc. Donc ça peut être aussi un autre point à faire, qui est selon moi encore beaucoup mieux que de demander des dons. Mais voilà, pour moi, c'est les 4 méthodes principales pour monétiser votre chaîne YouTube. Bien sûr, après, vous avez des partenariats qui peuvent être faits avec YouTube. Dès que vous commencez à avoir une audience, vous demandez à faire des partenariats avec des marques.
et ils vont vous payer pour ça. Pour moi, les 4 les plus importantes sont celles que j'ai citées et dont les dernières, les deux plus utiles sont les deux dernières, de créer vos propres produits. Je vous conseille vraiment de créer vos produits. Ça fera toute la différence dans votre business et vous allez pouvoir aider les gens. Vous serez bien plus fier d'avoir créé des produits qui vont aider les gens plutôt que de leur demander des dons. J'insiste parce que je vois ça énormément sur trop de chaînes YouTube, des chaînes YouTube qui font un travail de dingue. Je citerai pas leur nom, mais il y a des YouTubeurs que je regarde avec grand plaisir et je me dis putain, le montage, ils se sont fait chier, ils se sont fait un super boulot, mais au final, à la fin, ils me demandent un don quoi. Alors qu'ils seraient tout autant capables de créer une belle marque de vêtements avec le nom de leur chaîne et les gens qui voudraient les soutenir achèteraient des t-shirts et leur donneraient pas des sous, ce serait plus intelligent et bien plus rentable pour eux. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et que ça a fait découvrir un peu l'envers du décor de YouTube. Et pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur YouTube, parce que vous le savez, je mets beaucoup en avant et c'est pour moi un réseau de malades, ça vous permet de développer votre communauté et de faire connaître votre produit aux yeux de tellement de personnes, d'attirer des gens qui sont aussi passionnés que vous dans votre niche. Il n'y a pas mieux que YouTube pour moi, c'est vraiment une super plateforme. Et rejoignez-la et devenez créateur très rapidement si vous ne l'êtes pas. Forcez-vous, motivez-vous. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao. Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube. Et ensuite, j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan, il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4 300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis très 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 longtemps. Je te remercie. Merci. Merci à toi Antoine.